et bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog lecture pour ce début du mois de mars. Je ne sais pas sur combien de temps je vais le filmer, je ne sais pas trop comment ça va tourner, mais on verra bien. Pour tout vous dire, c'est un vlog que j'ai commencé la semaine dernière. On était le 1er mars, il me semble. Et j'avais déjà filmé une introduction, j'avais déjà filmé quelques plans, mais moi-même, je n'ai pas envie de revoir les rushs que j'ai tournés parce que j'étais dans un tel état de stress, d'anxiété, plus, que moi-même, j'ai pas envie de me faire du mal en re-regardant ça, en montant ça. Je ne suis pas là... ni pour vous tenir au courant de l'actualité, ni pour vous donner mes états d'âme sur le sujet. Je pense qu'on est tous et toutes dans le même état, à des degrés plus ou moins intenses. Et donc je me suis dit que vous ne cliquez pas sur mes vidéos pour que je vous angoisse encore plus que vous ne l'êtes certainement déjà. C'est pour ça qu'on va rester dans des good vibes. Chacun, chacune est assez... indépendant, intelligent pour se renseigner comme il le souhaite et pour soutenir comme il le souhaite. Mais voilà, petite parenthèse. Donc on part sur un vlog lecture que je vais essayer de garder le plus positif possible, le plus good vibes possible parce que j'en ai besoin. J'ai l'impression que j'ai pas regardé la caméra une seule fois là. Non mais oh, c'est impoli. J'ai besoin de good vibes et je pense que vous en avez besoin aussi. Si vous regardez BookTube, c'est certainement pour ça. Enfin, et pour les livres aussi bien sûr. Mais les livres, c'est good vibes, enfin, ça va ensemble. Je sais que moi en ce moment, ça me fait beaucoup de bien de regarder mes créatrices de contenu préférés, d'entendre parler de lecture, de lire aussi. Même si vous allez voir, c'est pas... la lecture en ce moment là, c'est... enfin bref, ce que je disais aussi justement la semaine dernière, c'est que donc février c'est terminé. J'ai terminé mes lectures de février, ça s'est plutôt bien goupillé, donc j'ai entamé mars sans lecture en cours. D'ailleurs j'ai remarqué que c'est un truc que je ne fais plus du tout. Je me souviens qu'au début de ma chaîne, je me plaignais tout le temps de moi-même parce que je disais putain, je n'arrive pas à me concentrer sur une lecture. Je lisais tout le temps genre 3, 4, 5, des fois mais 7, 8 livres en même temps. Et c'est un truc que j'ai arrêté de faire sans m'en rendre compte, hyper naturellement. Et maintenant c'est vrai que j'ai tendance à lire un livre, je le termine et je passe à l'autre. Et j'arrive plus trop à avoir plusieurs lectures en cours. Mais c'est pas pour me déplaire parce que... enfin, je sais pas, en fait je l'ai même pas choisi, c'est juste comme ça, ça me convient bien comme ça en ce moment. Et donc, comme j'ai entamé le mois de mars sans lecture en cours et sans grand chose dans ma palle, puisque j'ai lu presque tout ce que je voulais lire pour le Cold Winter Challenge, il y a quelques livres que j'ai décidé que je lirais plus, donc ils ne comptent plus. Et je suis allée faire un petit peu de shopping de livres. Je suis partie sur du divertissement, des trucs pour me changer les idées. Donc j'ai pas pris de livres qui parlent de sujets lourds parce que je pense que je ne peux pas. Et je vais donc vous montrer ça tout de suite. Mon but dans ce vlog, bah, ça va être de lire un max de ces livres. J'ai pris bien sûr le dernier tome sorti de Tokyo Tararéba Girls. Je ne reviens pas sur le résumé, je pense que vous en avez marre de moi, mais j'ai trop hâte de lire ce tome. Je sais plus combien il y en a en tout dans la série, 9, 10, je sais plus, mais c'est... on est plus proche de la fin que du début là, donc je suis contente, mais en même temps je suis triste parce que j'ai pas envie que ça s'arrête. Oh, puis comme d'habitude j'ai le nez qui coule. Ensuite j'ai pris un manga, j'ai l'impression qu'il vient tout juste de sortir et quand je l'ai acheté la semaine dernière je ne l'avais vu nulle part et là il y a quelques jours je l'ai vu sur Instagram. Je pense que c'était d'ailleurs sur le compte de la maison d'édition, donc c'est Glénat. Je me suis acheté le livre des sorcières, on va pas trop. C'est de Ebishi Maki, c'est un premier volume, je ne sais pas trop combien il y en aura. J'ai flashé sur la couverture. Je suis allée vraiment acheter des livres sans,
sans trop savoir ce que je voulais précisément, juste que voilà, j'avais envie de me faire plaisir, de me changer les idées et de lire des trucs vachement divertissants et plutôt légers. Bon, ça n'a pas l'air très léger, mais les graphiques en général, même si ça parle de trucs un petit peu plus profonds, ça passe mieux que les romans. Regardez même le derrière, enfin la quatrième de couverture. Elle est trop belle! Et le résumé nous dit qu'on parle d'un médecin qui est envoyé dans un village de campagne par son duc de tutelle afin d'y apaiser le tumulte causé par l'apparition d'un loup-garou. Et tandis que Vir, le médecin, donc, s'occupe de soigner Marthe, la jeune fille attaquée par le lycanthrope, la population frémit à l'idée de la présence d'un serviteur de Satan parmi elle. Et ouais, je sais pas, j'ai vu la couverture, j'ai lu le résumé et je me suis dit ok, I'll buy. En roman, vraiment divertissement, good vibes et tout, je me suis dit quoi de mieux que de continuer Skyward de Brandon Sanderson, parce que j'avais lu le premier volume l'année dernière, en début d'année aussi, enfin ça fait un an. Et pareil, je l'avais lu à un moment où c'était pas ouf. Et donc ça m'avait fait beaucoup de bien, voilà, ça m'avait beaucoup changé les idées, c'est un page turner, il se passe plein de trucs, c'est bourré d'action, tu ne t'ennuies pas, t'as pas le temps de penser à autre chose. C'est vraiment pas le genre de livre où, vous savez, des fois on lit, genre avec la lecture que j'ai en cours là, je vais vous montrer, je suis en train de lire et je lis deux pages et en fait je pense totalement à autre chose et je ne sais plus du tout ce que j'ai lu. Parce que t'es pas très passionné ou parce que t'es un peu contrarié ou parce que bah, ta lecture n'est pas assez engageante et immersive. Et je sais qu'avec ça, normalement, ce sera parfait. Ensuite, je vous présente un graphique que j'ai acheté en même temps et que j'ai déjà lu là pour le coup. C'est True Beauty de Yanggi. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. C'est un webcomic coréen. Qui a fait l'objet d'ailleurs d'une adaptation sur Netflix. J'ai même pas regardé qui sont les acteurs, ça m'intrigue. Ça, c'est paru chez K-Books. C'est la première fois que je lis un webcomic publié en papier et un webcomic donc coréen. C'est publié en couleur et tout, j'aime trop. Et j'avais vraiment trop envie de lire ça parce que ça avait l'air genre futile à souhait, complètement superficiel, vraiment le genre de truc qui te prend pas du tout la tête, puisque on suit cette jeune fille qui est lycéenne et qui, alors comment ils disent sur la quatrième de couverture, elle est harcelée à cause de son apparence et grâce à la maîtrise de l'art du maquillage, elle va devenir la déesse de son lycée. La déesse, hein, pas juste la meuf la plus populaire, non, la déesse. Mais combien de temps pourra-t-elle garder son secret? Et donc en effet, c'est l'histoire de cette jeune fille qui est une jeune fille comme toutes les adolescentes, ou presque, malgré ce que voudraient nous faire croire les réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours normal d'avoir de l'acné quand on est ado, et pas que d'ailleurs. C'est pas parce que tu as de l'acné que tu es horrible, que tu es un monstre. C'est pas parce que tu as des lunettes que tu es moche. Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment une jeune adolescente comme il y en a des milliers partout dans le monde. Oui, elle porte des lunettes. Elle a des boutons. Écoute, j'ai envie de te dire qu'on est tous passés par là, hein. Mais pour le coup, c'est vrai qu'elle est très maltraitée à son collège. Et du coup, elle fait un genre de glow-up. Quand elle passe ensuite au lycée. Et c'est difficile, je trouve, de parler de ce genre de sujet parce que je trouve que c'est à la fois complètement dérisoire, mais en même temps c'est important et ça peut avoir un impact vraiment profond sur, sur les gens. J'avais peur que ce soit genre super problématique en mode si t'es considérée comme moche, t'es une ratée, tu ne vaux rien, personne te parle, personne te regarde, tu n'as pas d'importance, blablabla. Et si tu es considérée comme belle, tout à coup le monde s'ouvre à toi et patati et patata. Alors c'est vrai que dans ce contexte adolescent où on est quand même très touchée par tout ce qui a trait à notre apparence, et c'est normal parce que c'est la période où on se transforme, où on se construit,
Et c'est vrai que moi aussi, enfin, si je suis très honnête, je me souviens que quand j'avais le même âge, à 15 ans, j'étais mortifiée par des trucs que je trouve complètement dérisoires et stupides aujourd'hui. Genre, je sais pas, genre tu t'es pas épilé les sourcils. Oh mon Dieu! On s'en balèque. Mais c'est vrai que c'est un âge où tout ça, ça a énormément d'importance et c'était assez bien retranscrit dans ce... Je viens de me frapper avec. Dans ce... J'ai envie de dire un manga, mais c'est pas vraiment un manga en fait. C'est un manois. Et puis finalement, c'était pas si clivé que ça comme point de vue, puisque en fait, c'est une jeune fille qui, elle a pas vraiment de problème avec son apparence. Enfin, c'est vrai qu'elle se... Elle a pas hyper confiance en elle, elle se trouve pas extrêmement belle. Alors après, j'ai un scoop pour vous. On n'est pas obligé de se trouver canon tout le temps, tous les jours. C'est normal d'avoir des jours où tu peux pas te voir dans la glace. Et c'est aussi normal d'avoir des jours où tu es en mode... Hello girl. Mais elle s'en fout un peu finalement. Elle l'a plutôt fait pour qu'on lui foute la paix là, son espèce de relooking. Mais en soi, elle a pas de problème à sortir sans maquillage. Elle va à la librairie sans maquillage. Elle adore l'horreur. Elle adore le gore. Elle adore les mangas. Et justement, un soir qu'elle se promène à la librairie sans maquillage, elle tombe sur un mec qui est aussi dans son lycée et qui du coup au début ne la reconnaît pas parce que elle a vraiment genre deux têtes différentes. Avec et sans maquillage, et oh là là, c'est le canon, c'est le beau gosse du lycée, c'est très cliché parce qu'il est complètement genre arrogant, il est un peu froid, mais on sent que là-dessous, il y a un cœur tendre se cache. Enfin voilà, c'est, je pense que c'est compliqué à résumer parce qu'il y a plein de choses à en dire. Comme je vous disais, c'est à la fois des sujets importants et en même temps ça ne signifie rien, enfin... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que notre enveloppe corporelle a l'importance qu'on lui donne, mais qu'on n'est pas, on ne se résume pas qu'à ça. Et je pense que ça va être un petit peu plus développé là-dedans. C'était une retranscription assez fidèle de cette période cruelle hein, qu'est l'adolescence. Et en plus, je sais qu'en Corée, c'est encore un autre délire, hein, les diktats de la beauté féminine. C'est pas jojo chez nous, mais c'est pas jojo là-bas non plus. Et franchement, je suis contente de plus avoir cet âge-là. Trois plombes pour vous parler de cette lecture que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs. Alors ça a vraiment fait le taf, genre ça m'a changé les idées, j'ai bien rigolé, je trouvais ça cool. Si vous voulez des idées de tuto make-up aussi, vous pouvez y aller, hein, parce qu'il y a des conseils à foison. Et sinon, dernier roman que je me suis acheté, parce que j'ai pris donc trois graphiques et deux romans. J'ai pris Les Miracles du Bazar Namiya de Keigo Higashino que j'ai déjà bien entamé comme vous pouvez le voir. D'ailleurs c'est un petit marque-page True Beauty, c'est trop beau, les dessins ils sont magnifiques. Hein. Ici on est sur un récit fantastique japonais. Cette couverture est incroyable. Et le résumé vend du rêve puisque on nous dit que l'histoire se passe en 2012. Après avoir commis un méfait, trois jeunes délinquants se réfugient dans une vieille boutique à l'abandon pour s'y cacher jusqu'au lendemain. Dans le courant de la nuit, quelqu'un glisse une enveloppe par la fente du rideau métallique. Lorsqu'ils l'ouvrent, les trois compères découvrent qu'elle contient une requête adressée à l'ancien propriétaire, célèbre dans le quartier pour avoir prodigué des conseils de toutes sortes à ceux qui lui écrivaient. Mais cette lettre a été écrite 32 ans auparavant. Je vois plus rien avec cette frange. Ils décident d'y répondre et déposent leur missive dans la boîte à lait à l'arrière de la boutique. Putain, j'ai du mal là. Hein. Comme l'ancien tenancier avait coutume de le faire, bon, un nouveau message leur arrive, lui aussi venu du passé. Et l'espace d'une nuit, d'un voyage dans le temps, les trois garçons vont ainsi infléchir le cours de plusieurs destinées et peut-être bien bouleverser la leur. Est-ce que ça vend pas du rêve? Eh bien écoutez, ça ne me donne pas vraiment le rêve que j'attendais, puisque le roman est découpé en 4 ou 5 parties, je crois. Elles sont assez courtes, puisque c'est un roman court, hein, il fait moins de 400 pages. La première partie, on suit donc ces trois délinquants qui... En fait, la première partie, c'est le résumé. Ils reçoivent une lettre, quelqu'un leur demande conseil, la lettre ne leur est pas destinée, mais ils se disent « il n'y a personne d'autre que nous ». On peut pas laisser cette personne comme ça, elle attend une réponse, elle ne sait pas que la personne qui est censée lui répondre n'est plus de ce monde, enfin on sait pas où elle est. Donc on va lui répondre. Voilà, ça c'est la première partie.
première partie, je me suis dit ok, bon, je suis pas hyper investie, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui fait qu'on s'attache au personnage, on ne sait pas grand chose d'eux au final. Mais bon, je continue. Et puis deuxième partie, une autre histoire. Une autre histoire, des autres personnages, une autre époque. Et là je me dis, attends, mais je suis en train de lire un roman ou un recueil de nouvelles en fait, parce que moi j'aime beaucoup les nouvelles. Mais si on me dit que je vais lire un roman et qu'en fait ça ressemble à des nouvelles, là ça me fait un peu chier. Et en fait chaque partie correspond, je pense, à un personnage qui a un jour demandé conseil à cette boutique et qui a échangé des lettres avec le bazar Namiya. Et je sens bien que tout va se regrouper au bout d'un moment et que chaque personne est peut-être liée. Enfin, voilà, j'imagine bien qu'il y a un fil conducteur. Mais c'est un peu frustrant d'être déjà à la page 223, donc d'avoir dépassé la moitié et de pas réussir à faire le puzzle en fait, et de ne pas surtout s'attacher au personnage, parce que ok, ils ont tous une histoire, alors oui, on connaît un peu leur passé, leur background, tout ça tout ça, mais finalement, à part nous parler de leurs problèmes, il n'y a rien de beaucoup plus profond que ça. Et pour tout vous dire, j'ai un peu l'impression de lire le courrier de Femme Actuelle, quoi. Parce que pour moi, c'est pas parce qu'on donne des soucis, des inquiétudes et des tourments à un personnage que ça en fait un personnage intéressant, un personnage profond, un personnage que tu as envie de creuser. Enfin, il n'y a pas, y a pas que ça. Et enfin, je sais pas. Je vous avoue, je suis pas à fond dans le truc. Je suis pas activement en train de ne pas aimer ce livre, mais je l'aime pas non plus. Je sais pas comment dire, mais genre, c'est pas que je l'aime pas, mais je ne l'aime pas. Donc en fait je l'aime pas. Enfin, je pense que vous avez compris, des fois il y a des livres que t'aimes pas vraiment, tu dis putain j'aime pas, genre ça me dérange, ceci, cela, nanana, nanana. Et là c'est, y a rien, tu vois, qui peut faire que ce livre n'est pas aimable. Mais pour autant je l'apprécie pas non plus, donc un peu déçue d'être déçue. Je vais le terminer, mais je vous avoue que je lis 10 pages et j'en ai un peu j'ai un peu envie de passer à autre chose. Donc je sais pas ce que je fais pour aujourd'hui. Est-ce que je me force un petit peu, est-ce que je commence Skyward 2, parce que là ça fait quand même une semaine que je suis dessus et j'ai lu 220 pages en une semaine, quoi. C'est problématique, surtout que ça se lit tout seul, hein. C'est vraiment pas compliqué. Je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai pas spécialement envie d'y retourner quand j'arrête ma lecture. Je suis pas hyper investie et je pensais que j'allais adorer ce livre parce que j'en ai entendu que de bonnes choses, mais pour l'instant bah, pas du tout. Et ça me fait un peu chier parce que je pense que si ce livre avait traîné dans ma palle pendant genre... je sais pas, 2 ans, et que là je l'en avais sorti et qu'au bout d'une semaine j'avais lu que 200 pages, peut-être que je me serais dit bon bah je vais le donner à quelqu'un, je vais le mettre en boîte à livres, ou même je vais le revendre. Mais là le fait de l'avoir acheté il y a une semaine et de l'avoir commencé le jour même et de me dire il a quitté le magasin et 3 jours après je l'abandonne, non, non, je sais pas, non, je vais terminer, mais on verra bien. Bref, introduction beaucoup trop longue. Vous l'avez vu, j'essaie de pas trop me laisser abattre. Je fais des petits... je fais un petit brunch là. J'ai encore mangé des pancakes ce matin. Oui, je passe ma vie à manger des pancakes, si vous posiez la question. Café comme d'hab. Et puis voilà, on va essayer de lire aujourd'hui, de se faire du bien, de se faire plaisir, de se détendre même si c'est dur. Et j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous fera du bien, qu'elle vous divertira. Et puis... c'est tout ce que je demande. Thank you.
Un mini update pour vous dire que j'ai terminé les miracles du bazar Namiya. J'ai terminé. Bon, j'ai lu les 100 dernières pages en diagonale parce que c'est pas une histoire qui m'a spécialement plu. J'ai rien en soi de concret à reprocher au bouquin parce que je pense que le principal problème ici, c'est que je ne sais pas si c'est juste moi qui me suis mis des trucs en tête ou si la quatrième de couverture était un petit peu déceptive, mais je sais pas pourquoi, je m'attendais à beaucoup plus de mystère, je m'attendais à beaucoup plus d'action en fait, à quelque chose de peut-être même un peu thriller, sauf que les miracles du bazar Namiya c'est pas du tout ça, c'est une succession de tranches de vie, donc c'est un bouquin qui est divisé en 5 parties il me semble, et chaque partie correspond à la vie d'un personnage, mais c'est même pas les personnages principaux qu'on rencontre au tout début, donc c'est ça aussi qui m'a désarçonnée, c'est que l'histoire s'ouvre avec ces trois jeunes délinquants, comme dit sur la quatrième de couverture, qui donc trouvent une lettre d'une personne qui demande conseil au fameux bazar Namiya, et la première partie c'est la vie de cette première personne qui demande des conseils. La deuxième partie c'est une autre personne qui a également approché le bazar Namiya une fois dans sa vie parce que besoin de conseils. Et finalement c'est une succession de petites tranches de vie qui se lisent presque comme des nouvelles. Alors certes, tout se recoupe à la fin, tout est entremêlé. Et oui, il y a des beaux messages, c'est un peu limite au développement personnel. En mode, voilà, des beaux messages sur la vie, etc. Je ne vais pas vous en dire trop. Mais ouais, c'était clairement pas ce à quoi moi je m'attendais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et du coup, dès le début, j'ai été désarçonnée. Et dès le début, j'ai été un peu genre... pas réfractaire, c'est pas le mot que je cherche, mais un peu genre, ah bon, c'est ça en fait. Ben non, j'étais pas trop d'accord. Donc c'est mon premier fail de 2022 puisque j'ai vraiment pas trouvé ça transcendant. Après encore une fois, je pense que si j'avais su que c'était découpé comme ça, que ça allait être très tranche de vie, très contemplatif, très introspectif et tout bonnement sur la vie commune, de gens communs, parce que au final cet aspect SF que je mets avec des gros guillemets, c'est pas expliqué, c'est pas du tout au premier plan de l'histoire. Donc ouais, je suis un peu déçue parce que j'ai ce sentiment, tu vois, de promesse pas tenue, mais en même temps je sais pas si c'est moi qui ai mal compris la promesse ou si la promesse a été mal faite, mais voilà, c'est vraiment mon avis personnel et c'est très subjectif, forcément ça veut dire la même chose. En tout cas, n'hésitez pas à checker ce livre si ça vous intéresse et en ayant toutes ces clés en main. Autant il y a des livres, je trouve qu'il faut rentrer dedans sans trop en savoir, autant là j'aurais vraiment préféré savoir que ça allait être ce type de récit et pas un truc hyper haletant, mystérieux, un peu SF sur les bords, un peu... voilà, je sais pas, tout ce que j'avais imaginé c'était pas du tout ça. Et du coup c'est quand même un bouquin de moins de 400 pages que je me suis traînée sur 10 jours, ce qui n'est vraiment pas bon signe, et je suis ravie de l'avoir enfin terminé, et je regrette pas du tout d'avoir lu les 100 pages en diagonale parce que c'est vraiment le genre de bouquin, je lisais 10 pages et j'avais ma dose, donc ça m'aurait pris encore 10 jours de lire 100 pages, j'ai pas le temps pour ça. Et puis je voulais quand même savoir la fin pour voir s'il allait y avoir un truc genre mind-blowing et tout, et non, voilà, la fin était fidèle à tout le long du roman, donc ça ne m'a pas spécialement surprise, mais en tout cas je suis très contente parce que du coup j'ai bien fait d'acheter ce bouquin, j'ai bien fait d'acheter Skyward 2 en même temps que Les Miracles du Bazar Namiya parce que j'ai besoin d'un truc là qui va être exactement ce que je veux et exactement ce que j'attends et qui ne va pas me tromper. Et je suis hyper contente parce que je l'ai commencé hier soir et je suis déjà à la page 95 pour vous dire. Donc encore une fois, la lecture c'est pas une course, c'est pas du tout une compétition entre des livres. Mais voilà, pour moi ça veut tout dire de lire presque 100 pages d'un coup ou de lire 260 pages
en 10 jours, voilà, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc j'ai vraiment hâte de continuer dans ce bouquin. Je suis désolée si je regarde pas trop la caméra, mais je ne filme pas chez moi, je suis pas habituée. J'espère que le son est pas trop dégueu d'ailleurs. Mais voilà, j'ai hâte de continuer Skyward 2. J'espère que le 3 ne tardera pas trop en français. J'ai pas du tout d'infos, je suis pas allée chercher. Mais je suis très contente de retrouver Spenza et toute sa bande. Je suis trop contente de retrouver cet univers et tous ces mystères. Et ça démarre en force puisque il se passe des trucs dès le début et c'est vraiment ce dont j'avais besoin en ce moment. Décidément, c'est le vlog du fail, puisque comme je vous disais au début, l'intro, je l'ai refilmé parce que j'étais pas du tout à l'aise avec la première intro que j'avais filmée, et je refilme cette outro puisque j'ai fait le bilan et j'ai clôturé ce vlog ce matin. Et là j'étais en train de commencer le montage, mon ordi est juste derrière, et je m'aperçois que je ne suis pas du tout en focus, voilà, que c'est ma bibliothèque derrière, la star du show, et ça me dérange, je ne puis vivre ainsi, donc là je fais vraiment en sorte, normalement c'est bon, et voilà, il va falloir que je me souvienne de tout ce que j'ai dit ce matin, et c'est très chiant de refilmer des trucs, mais genre pas spontané du tout. Je viens clôturer ce vlog en ce vendredi 18 mars.
Après quelques jours dans une ambiance un peu apocalyptique avec le sable du Sahara qui est arrivé jusqu'à nous, le ciel était d'une couleur jaunâtre, un peu dégueu. Ouais, c'était vraiment très sombre, très bizarre, un petit peu glauque. Et aujourd'hui, il fait presque beau. Presque beau. Les nuages sont blancs et pas noirs. Donc ce matin, je vous montrais que le week-end dernier, je suis allée à la librairie, dans une librairie que j'aime beaucoup et où je vais d'ailleurs souvent. Et pour une fois, je me suis vraiment attardée sur leur rayon VO. Bizarrement, je ne vais jamais voir ce qu'ils ont, alors qu'en fait, ils ont un rayon VO incroyable. Genre avec plein de nouveautés, plein de titres super récents et plein de titres genre connus dont on entend parler, par exemple sur BookTube. Et je me suis achetée... J'ai bugué... Je sais plus dans quel sens il est. J'ai acheté Galante de V.I. Schwab que vous en avez peut-être marre de voir partout. C'est une parution assez récente, ça date d'il y a quelques jours à peine, il me semble. C'est sorti simultanément en VO et en VF. En VF, c'est sorti chez Lumen. Et j'avais envie de le lire en anglais parce que je lis la saga Cassidy Blake de la même autrice en anglais. Et ici c'est du jeune adulte je pense, donc je m'attends pas à quelque chose de trop difficile. De toute façon je lis quand même pas mal en anglais donc je m'inquiète pas spécialement. Et j'étais trop contente de le trouver parce que sur internet j'avais un petit peu regardé et j'avais pas vu cette version brochée disponible. Il y avait que la version hardback qui coûte genre 19€. Et du coup j'ai acheté ça à ma librairie. Déjà je trouve la couverture magnifique, j'adore cette couverture là. L'autre est très très belle aussi, mais celle-là je la trouve sublime. Et il m'a coûté la modique somme de 12,90€, donc franchement, trop bien. Et bizarrement, ça me fait souvent ça parfois pour des livres populaires, genre je les vois beaucoup passer, mais finalement j'en sais pas tant de choses que ça. Je sais juste qu'on va suivre une jeune fille de 16 ans qui est orpheline et qui vit donc dans un orphelinat, si je dis pas de bêtises. Et qui va être invitée chez un oncle un peu mystérieux qui habite dans un manoir étrange. Voilà, ça a l'air un petit peu gothique sur les bords, un petit peu mystérieux. Oula, il y a tellement de vent que mes fleurs sont en train de se faire la malle. Ça a l'air trop cool, donc ce sera certainement une de mes prochaines lectures. Et sinon, pour ce que j'ai lu ces deux dernières semaines et quelques, j'ai continué Tokyo Tararéba Girls de Akiko Higashimura, toujours. C'est toujours aussi chez Le Lézard Noir, j'adore cette maison d'édition. J'ai aimé qui coule. Et vous êtes toujours posé sur les mouchoirs. Et comme je vous disais, bah j'adore cette série de manga, mais c'est vrai que dans ce sixième volume, je trouve qu'il s'est pas passé tant de choses que ça par rapport au tome précédent. Et cette personne qui est sur la couverture, qu'on voit très mal parce que c'est trop clair, là peut-être vous voyez mieux, on l'a pas tant vu que ça, alors que c'est un des antagonistes principaux du récit. Mais bref, trop hâte de connaître la suite, puis je pense que je vais enchaîner aussi rapidement avec Le Tigre des Neiges de la même mangaka. Et ensuite, j'ai enchaîné très rapidement avec Le Livre des Sorcières de Ebishi Maki. C'est un premier volume sur 3, de ce que j'ai compris, puisqu'il y a une postface de la mangaka. Et... j'ai lu quelque part, oui j'ai lu quelque part, je suis quasiment sûre que ce sera en 3 volumes. Et donc ici, le résumé que je vous ai lu dans les clips précédents, d'ailleurs en parlant de clips précédents, je me suis aussi aperçue au montage que le son, juste avant, là où je vous parlais des miracles du bazar Namiya, est atroce. On dirait que je suis à l'église. Je n'avais jamais filmé dans cet environnement et c'est vrai que c'est très haut de plafond et ça résonne énormément. Je suis désolée pour vos oreilles. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que le résumé que je vous ai lu au début de ce vlog, finalement, ça n'a pas été... Enfin, c'est l'histoire principale, mais on est revenu en arrière pour surtout parler du passé de Jean Vire, là, le médecin, et de son apprentissage auprès d'un grand médecin, mage, qui est d'ailleurs Agrippa, Cornelius Agrippa, qui a réellement existé. C'est un manga qui est donc basé sur des faits réels. Ça se passe pendant la Renaissance, on est en 1550 quelque chose.
Et ensuite, on revient dans les années 1520 et quelques, justement pour nous présenter la jeunesse et l'apprentissage de Jean. Et donc, on croise des personnages qui ont réellement existé, et c'est ancré aussi dans un contexte historique réaliste, c'est-à-dire que c'est le début des découvertes scientifiques, ça se passe à un moment donné pendant un épisode d'épidémie de peste noire. On a un contexte religieux entre les protestants, les catholiques, les luthériens, les machins, enfin bref. Ça se base sur l'histoire, et après on a cette dimension un petit peu fantastique avec les sorcières, encore que c'est pas vraiment fantastique cet aspect de sorcière, puisque... au final, les seules sorcières qu'on a rencontrées pour le moment, c'est juste des femmes, voilà, qui diffèrent peut-être un petit peu des normes. Enfin, je ne vous en dis pas trop, il y a quand même la dimension fantastique avec le loup-garou, patati patata. C'est chiant parce que j'ai mieux parlé de ce manga ce matin, et là c'est nul. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce premier volume, donc c'était très introductif, puisque comme je vous l'ai dit, on a d'abord cette histoire de Jean qui va dans le village pour essayer d'enquêter sur le loup-garou, la sorcière, le bûcher, machin bidule, et la plus grande partie c'était quand même des retours dans le passé, donc j'ai hâte de lire les prochains volumes et de voir comment évolue l'intrigue principale. En tout cas, c'était une belle découverte, et j'ai bien aimé les dessins aussi, qui sont très épurés, et je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai donc terminé Skyward 2 de Brandon Sanderson, donc Astrevise. Et c'était vraiment tout ce que je voulais, tout ce dont j'avais besoin. Je trouve que c'est vraiment la chose à faire pour moi quand j'ai un petit coup de blues ou quand je sais pas quoi lire aussi, de soit faire des relectures, soit continuer des sagas qu'on adore parce qu'on sait qu'on retrouve un univers qu'on chérit, on retrouve nos petits personnages chouchous, on retrouve une intrigue qui nous a embarqué pendant les premiers tomes. Et d'y revenir, c'est un peu une valeur sûre, c'est un peu comme rentrer à la maison, quoi. Et je suis très contente de ce tome, même si, sans spoiler, bien que... je disais la même chose ce matin, et en fait j'ai lu la quatrième de couverture que j'avais genre jamais lu jusqu'à présent, et tout est écrit sur la quatrième de couverture, enfin tout. Disons que l'intrigue de base de ce tome s'est résumée sur la quatrième de couverture, mais je pense pas... enfin, dites-moi si c'est un truc que vous faites, mais moi quand j'achète une suite de saga, je ne lis absolument pas les résumés, genre jamais de la vie je fais ça. Et c'est tant mieux, parce que là ça en dévoile un petit peu. Et la seule chose que je dirais du coup, parce que si vous souhaitez lire cette suite sans lire la quatrième de couverture, c'est que moi j'ai adoré, mais je pense que ça peut peut-être un petit peu désarçonner, parce que c'est quand même un deuxième tome qui est assez différent du premier. Comment dire ça? Je sais pas trop comment expliquer. On va retrouver nos personnages, on va retrouver l'intrigue et tout et tout, mais ça prend un tournant différent, voilà. Et je sais pas, je me dis soit on kiffe, soit on se dit ah, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Moi je sais que Brandon Sanderson, j'ai l'impression qu'il pourrait faire n'importe quoi. Je me dis c'est son histoire et je lui fais confiance. Et quoi que je lise, j'ai l'impression que je me laisse embarquer vraiment sans aucune retenue. C'est vrai qu'il y a des récits comme ça où quand j'ai pas ce que je veux, par exemple, parfait exemple, Les Miracles du Bazar Namiya, j'étais vraiment genre... finalement l'auteur il me tire dans la direction dans laquelle il a écrit son bouquin, et moi je suis en mode non, je veux pas ça, c'est pas ce à quoi je m'attendais, et je lutte, je ne sais pas pourquoi. Et il y a des récits où au contraire... peut-être c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais je me laisse complètement embarquer, je me laisse piloter et je go with the flow. Et ça a été entièrement le cas avec Astrevise. Qu'est-ce qu'il fait ce corbeau? Le mec veut se percher sur la brindille la plus fine de l'arbre. Mais il a réussi. Bon, je suis distraite. J'ai adoré Astrevise, et j'ai trop hâte de lire la suite, et je sais pas quand ça va arriver, mais...
Mais j'ai beaucoup trop hâte. Bon, et sur ces belles paroles, comme j'ai déjà commencé mon montage, je sais que le vlog est déjà assez long et que je blablate souvent pour rien dire. Et je vois que ce clip dure déjà 13 minutes, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'espère. J'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de refaire un petit vlog. J'en fais beaucoup depuis le début de l'année, j'ai l'impression. Moi, je vous laisse. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite de faire de belles lectures. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye.